Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France avec l'objectif conquête de l'Afrique. L'Afrique rose de la manière dont je l'ai renommée. Alors. Ah oui, on était en guerre contre le soulèvement capitaliste des États-Unis. Amérique et on avait un petit manque petit un bon manque de plomb. On en a mine qui sont en train de se faire, donc ça va aller, ça va être bon au bout d'un moment. Là on est ah, ça serait bien si on arrive à fermer l'accès à l'anglais ici. Et ici, pareil, là, on est même en bonne voie pour lui fermer l'accès, là. Comme ça lui ferait des mini-colonies et ça lui ferait... Ce serait des prises rapides. Là, ça va fermer apparemment Eriro. Qu'est-ce qu'il croit faire, lui? Qu'est-ce qu'il croit faire? Non, mais sérieux. La suite nous en associe à l'occasion. Même lustre. C'est un propriétaire terrien, j'en veux pas de tes propriétaires terriens. Ah. Ah. Bah, je vais juste lever l'obligation. Voilà, ça fera un plus 30 moins 20, c'est pas grave. Ouais, le propriétaire terrien, il m'embête un peu. Ça et l'église catholique. Vraiment, je passe en république. C'est pas encore urgent, vu que j'ai pas trop de radicaux, etc. Mais quand même. Incorporer le sud de l'Angola, le Sahara oriental et le Lindi. Mais j'ai pas assez de bureaucratie. J'avais pas mis. Oui, là, j'ai des administrations qui vont se faire. Moi, c'est bon, c'est bon. Au niveau de l'honneur. Oui, c'est pour ça que je voulais changer. Non, j'ai rien dit. Là, actuellement, mon dirigeant est une saloperie de bandits. Bah clairement, il me fait perdre 50% de rétablissement de la famille, quoi. Et ça, c'est pas bon. Par contre, je viens de voir un truc là. Je viens de voir un front qui s'est ouvert. Non, c'est bon. Ah, on a une partie de New York. Non, on a même pas. Oh, purée, on a vraiment pris tout sauf New York. Faut qu'on arrive à entrer dans New York. C'est sa capitale. Si on l'a fait tomber. On a gagné. Ah, apparemment, on a pris une petite partie. On voit que ça baisse très très vite là, soulèvement capitaliste. Ça va. Quand ça se fait, quelque chose de négatif. Ah, parce que j'ai l'administration gouvernementale. Ah, j'ai plus de mon investissement. Ok. Ok, on a une nouvelle technologie militaire, là, on va gagner 109, hop. Ah, ça a combiné les deux, ok, bah j'avais rien dit la dernière fois. Mettons armée, plus 15% de production des bâtiments de secteur de construction, voilà. C'est gratuit. On a l'opium qui est cher, on a les clippers qui sont chers, ça on s'en fiche. Équatoria, ok, on a pris l'Équatoria. C'est très bien tout ça, c'est vraiment très bien. On a fini avec le soulèvement américain. Bon, eux ils doivent nous surkiffer, voilà, cordial. C'était passé. On n'est pas loin du pacte défensif, c'est dommage, différence entre les deux. C'est pas grave. J'aimerais bien faire un petit protectorat, mais. Non, pas du nom de douanière. Bah si, c'est moi le nom de douanière. C'est quoi le délire?
On est combien? On est plus 29 sur le Portugal, ok. Attitude est cordiale. On va attendre que ça augmente un petit peu. On va essayer de faire rentrer le Portugal. Cuirassé. L'apparition des navires à coque métallique d'une résistance quasi infaillible au tir classique ne représente rien de moins qu'une véritable révolution dans la guerre navale. Avec ça, pardon, l'amiral Hercule Giraud nous assure que les mers sont sous domination française. Si des navires en bois avec des hommes en fer peuvent battre des navires en fer avec des hommes en bois, alors autant avoir l'armure de notre côté. Ils sont pas mal ça. Plus de défense, on s'en fout de la projection. Enfin, foutre moi du prestige et tout, c'est pas. Je suis premier, ça m'intéresse pas d'en avoir plus. Son marché. En Auvergne? Moins 29? Ok. On va faire un petit tour sur le marché d'ailleurs. La teinture. On exporte un paquet, mais en soi, on est toujours en négatif sur notre propre marché, même sans compter l'exportation. Il y a de quoi en faire 10, hein. Il y a de quoi faire 10 plantations. Bah non, j'ai pas les habitants pour. J'utilise déjà toutes les terres arables, donc ça ne doit pas servir à grand-chose. Ce que je peux faire, c'est camp de bûcheron. Camp de pêche? Faire un petit camp de pêche, allez, histoire de, avec 2 mines de fer. Voilà. Bon, c'est vraiment histoire hein, d'utiliser un petit peu l'état. Alors, il va me falloir d'autres plantations de teinture. Ça consomme, dit, ça bouffe la teinture, tout ça. Ici, je pourrais faire du tabac. Au Kenya, j'en ai déjà utilisé pas mal. Ok, bon, on va en mettre 20 plantations de teinture en ligne 10, c'est pas trop mal. Ah, je vais devoir faire un nouveau ferré avant. Et tac, voilà. Ouais, je pars sur le Mozambique, le Zanzibar aussi. Déclaré comme rivaux. T'en prends ta rivalité, hein, ma France. J'en ai tellement rien à foutre. Hop, l'Autriche, l'Italie, Coupang, le Maroc. On va améliorer pour l'instant. Mexique, on s'en fout un peu. Venezuela, ça peut être pas mal. Nouvelle Grenade également. Non, le shogunat japonais, tiens d'ailleurs. Hop là, c'est parti. Alors, comme ça, on a des relations qui s'améliorent bien. Auvergne, 92%. Ouais, je vais lui à l'envers. Ah, en explosif. Je suis pas bien. Moins 700. J'en exporte. Même pas. Pouf. Bon, on va en faire 8. Hein. Ah ouais, purée, je pensais pas. J'ai pas l'infrastructure nécessaire. On va faire une voie ferrée. Est-ce que j'aurais besoin de moteur? Oui, 1, 2. Alors, on va faire 2. On est au budget, on est comment? Ok, on a une centaine en rab. La porcelaine est chère. Waouh! Ouais. Wesh. Ça me rapporte 21 000 et si je taxe le verre 23 000, ouais, je suis pas à 2 000 près, on changera si vraiment on voit que c'est la cata. Un petit peu d'agitation, oui. Ok, j'ai l'Indonésie, mais bon, l'Indonésie, comme je disais, à part me ralentir mes colonies d'Afrique, ça va pas faire grand chose. Là, ça veut pas stopper le. Allez, allez ici, s'il vous plaît. Allez là. Une petite colonie ici. Aïr. Ah, c'est bien ça. Je vais juste voir. Ok, ouais, c'est toujours pas ça. Mais... Donc, Aïr, c'est ici. On va y envoyer Roland, comme d'hab. La colonisation du Niger français est terminée. Est-ce que ça m'ouvre? Oui. Non, parce que le Niger, c'est pas là en plus. Là, c'est juste, d'accord, j'ai pris un territoire en. Frontalier au je déteste prononcer là quand t'as trois syllabes, enfin trois consonnes d'affilée.
Botswana. Ah. Auvergne. Merde. Bourgogne. Attends. J'arrive, les Bourgogne. Est-ce que j'ai. Non. Je vais vous en faire deux des voies ferrées. Allez. Je vous donne même du rab. Je suis gentil, franchement. Ok. On va dire, ça le fait. J'aurais encore le. Ah, je pourrais pas le prendre. Ouais, je fasse tomber Tripoli. Ok, la Prusse est en sécession. C'est bien. Ouf. Ah ouais, oh bah ça va être une Prusse radicaliste hein, qui va sortir. La loi elle est passée, hein? Non? Les monarchies, purée. Ils sont pas contents. Je vais faire repasser ça. Ça me fait baisser, hein, mais faut absolument que je passe en. Waouh. C'est quoi ce soutien pourri là? Ma petite bourgeoisie va pas m'embêter. Une propriétaire terrien, une église, elle va m'embêter. Ah là là. On va essayer, mais ça va vite partir en révolution. Ah ouais. 70, on peut essayer, on sait jamais sur un coup de chance. Ok, le Touat, c'est instable, c'est bien. Vraiment, il fallait alors que j'aille sur le Congo aussi. Hein. Ok, les intérêts ont changé avec la Prusse, forcément. Lind, marché du Lind. Ouais, j'ai une voie ferrée en plus. Ah, ça doit être le temps que la voie ferrée elle, se fasse. Les manoirs, on s'en fout. L'accès au marché, c'est bon. Ça, bah, j'ai pas le choix. Ok. Wow. 24, pas mal. Pas mal du tout. Ça a pas bougé. Voyons voir. Ça va toujours être du. Ah, c'est pas du vert. Eh, pour une fois, on a du vert. C'est fou. On a mis de bois dur. On en a sur les routes commerciales. Ok, non, pas besoin alors. Opium, on a fait tout ce qu'on a pu, je crois. Purée, ouais, j'en consomme plus quand même. Peut faire des arts. De l'art, je veux dire. On va faire un peu de papier et de l'art. Même pas besoin de trop de papier en soi. Ça me consomme pas des masses, non? Si? Non, c'est. C'est raisonnable. Là, je vais rajouter 250. La consommation de papier. Là, ça m'en fait combien par usine? Ça m'en fait. Centaines. Je vais en rajouter deux. Ça devrait être bon. Ce que je pourrais faire. Le vin, on peut pas en produire beaucoup plus. C'est du tabac. Hein. Dans tous les cas, le tabac, plus t'en as, plus ça consomme. Donc, autant faire du tabac. Là, j'ai vu qu'il y avait, il y avait ce qu'il fallait en. En population, j'ai de quoi en faire 30. Et là, j'ai pas de quoi en faire 30. Ok, je vais faire une voie ferrée, je vais en faire 30. 30 plantations de tabac. En Équateur, en Équatoria. Là, ça se passe comment? 68, jusque-là, ça passe. Il va vraiment me falloir un coup de chance. Hein. Le Sud-Andin a migré vers l'état du Rhône, ok, ça me va.
prend combien de territoires à la fois? C'est raisonnable. 63%, 68%, ah, ça augmente vraiment vite. Hein. Heureusement que j'ai les institutions nécessaires. Oh là 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 là. D'ailleurs, je vais incorporer les états. 89, c'est bon. 55, c'est bon. Ça aura, c'est bon. 91, 115, 73. Ok, c'est bon. Ça me coûte combien? 481. Alors 481, mais ça me donne 500. C'est bizarre. C'est pas grave. Je pourrais faire maintien de l'ordre public au niveau max, ça me coûterait quand même beaucoup de bureaucratie, mais. Mais c'est souvent quelque chose qui vaut le coup. Je peux rien faire. Ah, je peux faire la tour Eiffel. Qu'est-ce que ça me donne déjà? Prestige? Oui, bon. On fout un peu. Hein. Si c'est que du prestige, c'est pas non plus. Il faudrait que je fasse 30 administrations gouvernementales pour arriver à avoir assez de bureaucratie. Ouais. Ouais, c'est beaucoup quand même. Ça me coûtait 700 de papier. Allez. On va pouvoir faire un petit peu plus d'usine de papier. Ok, là ça conquérit tranquillement. Ça conquit tranquillement, pardon. On est à un quart de la loi, c'est lent. C'est très lent. C'est trop lent. Pénurie de biens entrants. Manoir et Clipper. J'en utilise aucun des deux. Vraiment falloir qu'ils arrêtent. Hein. Ah. En champagne. Oh putain, en plus je crois que. Ah, c'est une grande usine alimentaire. Bon, 5 ans de capacité de production, bah, j'ai pas le choix pendant 5 ans. 5 ans pour nettoyer une usine, c'est peut-être un petit peu abusé quand même les gars. Je sais pas à quel point vous la récurez, mais c'est chaud. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent? Transvaal? Ah oui d'accord, le Transvaal. Transvaal, un territoire que j'irai chercher assez rapidement. Le Transvaal et l'Orange. Pour son or. 8 plus 3 ici, plus 9 ici. C'est quand même pas dégueu, ça fait 20 000 en tout. Déclarer ma neutralité quand même. Ok, très bien. On va faire un petit tour sur les industries. Tiens, levure chimique. Parfait ça. Conservation. Ça demande du fer. Du fer, j'en ai pas mal. Conserverie, ouais. Alambic à colonne. Hein? Aliments? Ça me retire 200 aliments? Et ça fait baisser le prix? Ah oui, bah oui, parce que. C'est pas grave, les aliments, ça s'équilibrera. Ça, c'est pas très. Propriété privée, on est capitaliste, ouais, c'est parfait. Manufacture de meubles, on peut faire ça. On n'a pas besoin de suite. On a suffisamment de meubles. Chantier naval, manufacture, oui. Faut que je subventionne tout. Ça, j'ai pas le choix. Ça, voilà, ça fait son mix. J'ai été préparé. Et ça me dit pas assez d'acier.
Et pas assez de verre non plus. L'acier, ok, le verre. Je sais pas moi non. J'ai plastique ménager, mais c'est pas vraiment longtemps ça. Moi, t'es privé, oui, c'est bon. Académie des arts, on va tout mettre en photographie. Avec artiste indépendant. Ok. Tout ça, on est bon. Et là aussi. Donc, on va attendre là que ça soit un petit peu fini au niveau de la construction. 4000 pour film. Ah, mes films, ça me demande de l'électricité. Activité migratoire. Diffusion de la technologie sociétale. Ah, bah, allez. Ouais, y a pas photo. Alors, je sais pas si ça diffuse beaucoup. Ouais, socialisme. Ouais, si, voilà. Et on va attendre pour passer au stade supérieur, là. Au niveau de. Comment ça s'appelle? Du centre urbain. Il me faut du verre à un meilleur prix. Il me faut beaucoup plus de production de verre, quoi. Et pourtant à Orléans j'en ai déjà, putain, j'ai déjà 60 verreries, ah la vache. Et avec la porcelaine qui va avec, hein. Ah on se déconne dedans, hein. Je sais pas si j'espère que j'en exporte, mais je crois pas en plus. Ouais. J'en exporte même. T'as un groupe social, oh la vache, attends mais. Quoi? Oui, bah oui, ils font des fenêtres, tu me diras, c'est pas non plus. Porcelaine, teinture, ouais, non, pas besoin. Je suis en train de plus en plus réfléchir à aller prendre le Punjab pour l'opium. Parce que là, je suis complet, là. Ouais, j'utilise. Enfin, j'ai pas vraiment de paysans à faire travailler, là, je peux en rajouter 4, mais. C'est pas ça qui va changer grand chose. La révolution qui a baissé d'un coup. Ah ouais, pour augmenter. Ah ouais, la révolution est pas. Elle a baissé de 40 pour ensuite augmenter. Ok, on a tout ça. On a pas mal de paysans aussi en plus. C'est bien. Ok. Ah, je suis une colonie, mais ça veut dire qu'il va falloir que je prenne le Wadai. Parce que sinon, elle va être isolée, je suppose. Je sais pas. Petit bestie. Ça me saoule. 9 semaines. Prochain vote, il est quand? 30 août, mai. Faut que je fasse passer mai, juin, juillet, août. Ouais, non, ça va pas passer. Hein. J'ai pas moyen de les rendre heureux d'une manière ou d'une autre. Là, c'est peine-cul. Pas d'autres mots, oui, pas d'autres mots. Et puis surtout que, putain, le pire, c'est que s'ils font une révolution, c'est un fort, ils se barrent avec pas mal de choses. Hein. Picardie, Normandie, Bretagne, Loire, Orléans, Champagne, Bourgogne. Franche-Comté, Limousin, Poitou, Aquitaine, Armagnac, Auvergne, Rhône, Languedoc. Ouais, donc en gros, t'as la Provence, t'as l'Alsace, la Mille-de-France, la Corse qui vont passer session, t'as l'Afrique. Mais c'est la merde. Je suis déjà au max, je crois, en plus au niveau des budgets, des salaires. J'arrive pas à la faire passer cette république. Hein. Je donne du mien. Hein. Mais non, 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 impossible là. Ah, j'essaie, hein, j'essaie. Hein, mais. Ça ne veut pas. Hein. J'ai pas moyen de la ralentir. Plus 7. 9 semaines. Ouais, non, ça va. Ouais. Falloir que je fasse passer maintien de l'ordre public. Pour avoir un petit peu moins de radicaliste. Espérer que ça temporise. Ouais, ça aussi, ça c'est mal foutu. Moins 5 en raison de garde nationale.
colère, ils sont en colère, écoute, j'en ai rien à foutre. Enfin, la majorité de la population est pour. Arrêtez de faire une révolution, quoi, je sais pas. Vous êtes quoi? Vous êtes 25%. Vous êtes un quart de la population. Vous me faites pas chier, quoi. Alors, est-ce que je peux réformer le gouvernement d'une manière à ce que j'ai plus de légitimité? Non. Ah, c'est chiant. Plus de légitimité veut dire plus de vitesse pour faire la... pour promulguer la loi, pour un passage de promulgation. Ouais, 7, c'est quoi là? 4 semaines, bah oui. Ça, c'est pas 4 semaines, ça, c'est jamais 4 semaines. 30 août. Ah non, non, ça fait 8 semaines. On va quand même attendre au cas où ça se stabilise pour une raison, un miracle quoi. Mais je doute fort, plus 7. Ouais bon, laisse tomber. Le Congo britannique. Et moi là, qu'est-ce que je fais ici? Là, ils veulent pas. Ouais bon, ça passe pas. Putain. Ça m'énerve, ça m'énerve. Faites feu aux révolutions, barrez-vous l'ensemble. Alors étape pour rejoindre notre marché. Ouais, c'est bien ça, le Brésil. Le Brésil qui a rejoint mon marché. C'est un bon marché français là. Alors, je sais pas ce qu'il va me rajouter, il va me. Ok. Il va me rajouter de la demande en acier, de la demande en. En explosif. En bois, il a. Oh! Non, mais ça va, ouais! T'as un souci sur le soufre, là? Attends, quoi? Mais il est passé où, mon soufre? T'as fait me dire que. Ok, je devrais arriver à un petit millier. Avec ça, on va faire 5 et on a une pénurie d'explosifs aussi. Oh, putain. Ah, ça me fout mal là. Oui, j'ai assez de travailleurs. Non, j'ai même pas assez de travailleurs. Oh là là. J'ai pas vu du tout le soufre venir là, pénurie bien en tranche. Je sais pas si c'est. Bah ouais, ça me met même pas en pénurie alors que. Ah, mais c'est le manque de. Ça doit être le manque de soufre en fait sur le marché qui. Le manque de. Pardon, de. De dynamite sur le marché qui m'a fait ça. C'est là j'en prends du haut. Route commerciale. Ah ouais, non, non, non. On va en produire. Éviter de l'importer, je sais même pas d'où est-ce que je l'importe. Commercial, Italie. Ah oui, d'accord, l'Italie. Écoute, l'Italie qui cache pas ses ambitions négatives envers moi, on va arrêter de lui importer des choses. Je suis honorable, mais il me casse les bonbons, ce bandit, hein, pour parler poliment. Alors, 14 septembre 1867, on va essayer d'annexer le Carta. Continuer, oui, très très bien. Hop, ta 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 ta, tout ça j'ai vu. Merci d'être passé. En 10. On m'en est en 30 là, comme ça. On sera sûr d'avoir ce qu'il faut sur le. La Suisse, une alliance et il me propose une obligation.
Ok. Pour une stratégie de défense des frontières, ça m'étonnerait. Ok, ça on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. C'est good, tu veux pas lui donner un coup de main, non? Dommage. L'Équateur ne soulève plus minimum lui. Ah ok. C'est le Brésil qui attaque le Pérou-Bolivie. Ok, ça me va. Le Brésil peut grandir, ça me fera grandir le marché. C'est pas. Ça me paraît pas un problème. Ok, ça je m'en fiche. Ça je m'en fiche. Et on va se laisser ici hein, pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On n'avance pas trop mal, hein. Regardez-moi ça, c'est quand même magnifique. Sur ce, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était Chum. Ciao!